8 années, Vénier s'est fait un nom associé à un son, celui du moteur qui rugit avant d'entamer la côte du Crochu. 1,4 km avec une pente qui ne descend pas en dessous de 6 degrés et les meilleurs chronos avoisinant les 50 secondes. Ajoutez à ces 8 années 2 ans de slalom et le sport automobile du Crochu à Vénier fête ses 10 ans, une édition toute particulière. Inespéré d'abord le plateau, parce qu'on était en concurrence avec un autre site où on pensait qu'ils allaient nous faire du tort, mais rien n'y a fait puisque cette année on crève les plafonds, on a 80 engagés, donc avec double monture. C'est quelque chose, un nombre qu'on n'avait jamais atteint, ce qui prouve que les pilotes nous font confiance. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, pour sa décennie, le Sport Crochu Organisation a invité Jean-Pierre Josseau, ancien pilote automobile, deux fois vainqueur des 24 heures du Mans, qui lui-même est porteur de bonnes nouvelles. Quand on sait organiser, on amène le beau temps. Et il est de la partie, ce qui va être très agréable. En plus de ça, les coureurs, ils ont beaucoup de chance parce que le revêtement est neuf. Et ça, c'est agréable quand on monte avec les voitures actuelles. Et ben, c'est agréable de rouler sur un tapis. Un tapis de bitume prêt à recevoir de nouvelles courses pour, espérons, au moins 10 nouvelles éditions.